Et voilà le sèche-linge. Donc, comme pour le lave-linge, je m'en marche. Et là, il y a même la lumière à l'intérieur qui s'allume. Donc, c'est pratique parce que ça me permet de rien oublier. Donc, je mets, hop, les pulls. Pareil, donc le hublot est très grand encore. C'est hyper pratique. Le pull avec les perles. Donc, les perles, vous voyez, ça n'a pas bougé. Bon, il y a encore quelques poils, mais tout va s'enlever au sèche-linge. Et encore, il y en a plein qui sont partis. Alors, ça s'éteint assez vite, hein, ce qui est cool parce que aucune perte d'énergie. Donc, je mets laine. Anti-froissage. Alors, pour ça, vraiment, il n'y a pas besoin. Et voilà, tout simplement, je mets sur plaie. Alors, la machine est bien éteinte parce que ça c'est terminé. Donc, elle a légèrement, enfin, la petite alarme a eu lieu et elle s'est éteinte pour une économie d'énergie. Alors, j'ouvre le hublot. Si je veux de la lumière, je mets sur marche. Et là, la magie opère. Et voilà le pull, les pulls. Je vais regarder sortir d'abord celui avec des perles. Et il est absolument. Il a gardé toute sa forme, toutes ses perles. Et c'est la même chose pour les autres. Donc, ça, c'est vraiment super. Parce que c'est vraiment un gain de place. Ça sent pas l'humidité dans la maison. Je vais vous montrer comment on nettoie le filtre. Alors, je nettoie simplement en l'ouvrant. Alors, faisable à une main, hein, comme vous le voyez, même si à deux, c'est mieux. Et là, vous voyez dans le filtre, hop, on retire. Il y a une majorité de poils de chien, évidemment. Et puis, les petits morceaux de laine qui se retirent des pulls. Donc, je nettoie ça correctement, je ferai mieux à demain. Je replace après ça à cet endroit-là. Et je vide le bac d'eau. Donc, très pratique parce qu'il a un petit bec verseur. Comme l'eau est déminéralisée parce qu'elle provient de l'évaporation des vêtements, elle est absolument utilisable pour le fard à passer, les plantes, faire le ménage. Alors là, il y a même une petite poignée. Voilà. Bon, là, mon fard à repasser est plein, donc je ne l'ai pas rempli. Hop, je remets ça. Ici, tout simplement. Et alors, c'est fourni quand même avec un câble si l'on veut brancher à une évacuation d'eau. Mais nous, on n'avait pas l'installation requise. Donc, le bac, ça nous va très très bien. Surtout qu'on récupère l'eau pour l'utiliser pour autre chose. Et puis voilà.